Salutations, c'est Le Corbac. Aujourd'hui, je vais tester un jeu Game Boy. Comme vous le savez, les jeux Game Boy ont généralement l'étiquette arrachée puisque les utilisateurs ne savent pas s'en servir. Et en fait, j'ai retrouvé une cartouche de Game Boy qui était là, je ne sais pas pourquoi, qui avait l'étiquette arrachée. Du coup, je me suis dit, ça serait pas mal d'en faire un test surprise. Dire un peu comme un paquet surprise, vous voyez, c'est vous découvrez le jeu en même temps, vous ne savez pas ce que c'est, et voilà, un peu comme dans la vieille époque où on achetait un jeu et on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, c'est parti, on va tester un jeu random, si j'arrive à le faire fonctionner, bien entendu. Bon, c'est super, ça marche pas. Bon, je suis sur le Super Game Boy. Sur Super Nintendo. Alors attendez, je vais le faire marcher. Toujours pas. Toujours pas. Ismama. Les joies des cartouches Game Boy qui marchent jamais. Et voilà. Donc, on va tester aujourd'hui. Mulan. Je ne sais pas du tout qui a fait ce jeu vu que je ne savais pas, je n'ai rien préparé à l'avance. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est quand même pas mal l'écran titre est pas trop mal. Bon, je vais lancer tout de suite la partie. Apparemment, on peut rentrer les passwords, ça c'est pas mal. Easy hard, easy. Bon, je vais prendre easy. Alors, l'armée de Shang-Yu prépare une attaque sur la cité impériale en essayant de prendre la tête de l'empereur et a déjà pris le grand mur de Chine, muraille de Chine. L'empereur a envoyé la conscription notice parce que c'est à chaque maison pour recruter des nouveaux soldats dans l'armée impériale. Un seul homme pourra faire la différence entre la victoire et la défaite. Et ouais, ça sert d'aller dans les cours anglais. Shifu, l'empereur aide, l'aide de l'empereur, arrive au village. Mulan sait que son père va prendre sa place. Va prendre la place, bon, j'en sais rien. Voilà, même s'il est vieux et machin. Mulan regarde son père, s'entraîne avec son épée. Voilà, il a mal, etc. On s'en fout, putain, on s'en fout, allez. Putain, mais y a autant de textes, quoi. Mulan décide de protéger son père. Blablabla, on s'en fout, allez. Allez, putain, on s'en fout. Alors, entraîne-toi dur et prouve que Shang, que tu es prêt pour être un soldat. C'est magnifique. Oula, c'est moche. Bon, tout de suite, ça me fait penser à au moment qu'il y a dans Another World. Alors, on peut jeter des cailloux. On voit qu'on a une barre de vie en bas 5 coeurs. Ah, je peux changer la couleur. C'est déjà mieux. C'est tout ce que je peux faire. Bon. Bon, ça marche pas. Ah, c'est super. Faut que je me recule, non? Bon. Oh putain, il se remet en place.
Je sens que ça va être galère. Ah, attends, il peut courir? Comment il a couru? Comment il a couru? Attends, il jette des cailloux et il court avec le même bouton. Ok, donc. Putain, c'est pas ça que je vais faire. Allez, cours, Forest. Saute. Ouf. Super. Va te faire foutre. Allez. Je suis trop loin. Dépêche-toi. Eh putain, ta mère. Voilà. Attention. Oh putain. Si c'est ça le jeu Mulan. Ah putain. Ah putain. Est-ce que c'est un trou ça? Bon. Dans le doute. Wesh. Il doit y avoir un moyen de monter. Ah voilà. Oh ça va quand même. L'animation du personnage est assez réussie. Voilà. Par contre, allez, monte. Est-ce que je peux monter là? Non. Alors je vais courir. Oh putain, oh putain. Ouais, pas mal quand même. Les animations sont bien. Alors. Ok. Ok, donc ça me redonne des cœurs, c'est bien. C'est ce que je pensais. Ah, on peut jeter des cailloux aussi. Des petits cailloux. Ah, je peux pas monter là? Ah non, je peux pas monter. Est-ce que je peux redescendre? Oh putain, non, je peux pas redescendre. Ah, ça c'est pourri par contre. Alors. Les petits cailloux. J'aimerais bien sauter. Et voilà, il s'est pris dans la gueule. Et en plus, il retombe. Ça, c'est magnifique. Merde. Alors, y a rien à faire. Je suis bloqué. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas monter. Ah, on peut glisser de la corde aussi. Par contre, le level design, pour l'instant, il est à chier. Hein. Je veux pas dire, mais. On a déjà vu mieux. Serait-ce que Super Mario World? Oh putain, sa mère. Ah, il saute! Ah, je pense qu'on est trop court. Alors, est-ce que. Putain, mais je peux pas. Hein. Je peux pas m'accrocher à la corde. J'essaie tous les boutons là, mais. Bon, moi je pense qu'il faut aller par la droite. Ok, alors.
Ok, donc je descends. Bon, je suppose qu'il faut aller à droite, hein, comme dans tout le jeu vidéo. Par contre, oula, je la sens mal. Je tente. Allez, je tente. Bon, je crois que c'est un piège à con. Je vais pas aller là. Ah ouais, mais je peux faire que ça maintenant, non? Bon, je vais voir. Non. Bon bah écoutez, je crois que je suis foutu, hein. Panzai! Mulan est battu! Attends, on va remettre une couleur correcte. C'est super. Bon, on va recommencer une dernière fois et puis ça s'arrêtera là, hein, parce que j'en ai déjà marre, j'ai envie de dire. Voilà. Ah putain, fait chier. Les petits cailloux, comme Cody. Là, on prend la corde, on saute. On va à droite. On monte. Non, on peut pas aller là-haut. Ah, mais on peut faire que ça en fait, hein. Donc là c'est, je sais pas. Donc je suis déjà bloqué. C'est super. Je peux encore essayer, mais ah putain, il fait chier. Oh putain, j'ai réussi. J'y crois pas. Non, faut pas que je me trompe de bouton. Bon, c'est quand même assez chaud, hein. Gameplay quand même assez rigide. Putain, pas ça que je vais faire. C'est assez répétitif aussi, hein. Putain. Si c'est ça tout le jeu, what the fuck, hein. Je veux pas dire, mais j'espère qu'on a une phase au moins où on a une épée. Il faut sauter. Voilà. Putain. Allez, bordel! Voilà, c'est là. Heureusement qu'on peut baisser la vue comme ça. Parce que sinon on saurait pas quoi faire. Ça, tu vois, je sais pas si c'est des trous ou pas. Apparemment, c'est pas des trous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Apparemment, je crois que j'ai fini le niveau là, non? Oh, je peux rien faire? Attends, y a un souci là.
Je suis à la fin. Il y avait un truc à faire avant? Non, je peux pas revenir en arrière. Faut m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire là, parce que là... je suis devant un mur invisible là, et je peux rien faire. C'est-à-dire que j'ai fini le jeu là? Je sais pas. Je comprends rien. Non, je peux pas remonter, hein. Oh! Attends, deux secondes, je me détache. Je peux pas me détacher? J'ai fait ça, mais complètement par hasard. J'appuie sur tous les boutons. Ah non, abusé, là, quand même. En tout cas, ce qui est bien, c'est les animations. Mais par contre, le level design... Ok, bon, le niveau s'est terminé quand je suis arrivé en haut du poteau, c'est magnifique. Ah, il y a le mot de passe en haut, JSFPW. Au cas où on voudrait refaire le jeu. Ouah. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le noter, on sait jamais. Si jamais le jeu me plaît, mais bon, pour l'instant, il me plaît pas trop. Donc voilà, guide de Mulan saine et sauve à travers le lac avant que sa véritable identité soit découverte par les autres. Parce que, si vous le savez pas, Mulan en fait c'est une fille! Elle se fait passer pour un mec pour rejoindre l'armée. Ok. Oh putain. Attends, elle avance toute seule là ou quoi? Ah ouais, elle avance toute seule. Elle peut nager. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Non. Bon, mais on peut faire que plonger. Oh, c'est pas mal cette phase. Non, moi j'aime beaucoup cette phase. C'est déjà plus amusant que la phase de tout à l'heure. Non, ça c'était une très bonne idée. Très bonne idée de level design. Mais c'est assez simple, hein, j'ai envie de dire. La musique un peu saoulante hein, à force, je sais pas pour vous, mais moi je commence à avoir mal au crâne. Ouais, je suis bientôt à la fin, non? Oula. Mais what the fuck? On peut se faire tuer par le scrolling. Ça, c'est magnifique. Ah, mais je peux rien faire! Je peux rien faire! Bon. Mais comme j'ai envie de passer ce truc. Alors, J. S. F. P. W. Ça, c'est trop con de pouvoir se faire tuer par le scrolling. Ah! Surtout qu'en plus, elle est déjà très très bas dès le début sur le scrolling. Bon, c'est utile pour voir où sont les mecs.
Mais si on peut pas suivre le scrolling, ça fait chier. Vous avez remarqué, on n'a qu'une seule vie sur tout le jeu, hein, donc faut faire attention à ces cœurs qui sont vachement précieux. Mais heureusement qu'il y a un système de passoire parce que sinon c'est un jeu où on pète très vite un câble. Voilà, donc cette fois. Par contre là, ouf, c'était tendu. Par contre c'est là. Et voilà, tu vois, j'avançais à droite, ça voulait pas. Je pense que c'est au pixel près parce que là. Ouais, je peux pas. Oh putain, je suis passé au pixel près là. Mais putain, mais c'est. Oh franchement, quand je dis au pixel près, c'est au pixel près. Je peux pas passer ce passage. C'est impossible. Je sais pas ce qu'ils ont fumé là, mais. Je peux pas. Je peux pas. J'ai essayé. C'est impossible. Bon ben désolé hein. De toute façon c'était pas. Voilà, c'était la surprise du chef, comme j'ai envie de dire. Bon attends, on va quitter cette couleur de merde. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est le Super Game Boy en fait qui a rajouté Mulan. En sachant que c'était un jeu sur Mulan. Pas mal du tout. Voyez que je peux mettre plein de trucs là. Placer écran noir tout simple. Voilà, je peux mettre ça, je peux mettre plein de trucs. Je peux changer les couleurs. Oh, je sais pas, j'arrive pas à changer les couleurs. Ah oui, comme ça. Allez, on va jouer comme ça. Ça promet d'être psychédélique. Merde. Voilà, là on s'amuse plus sur le jeu. Ah! Je suis où là? Je suis où? Ok. J'arrive à avancer malgré moi. Ok. Bon, bah là, je vois que dalle. Voilà, c'était juste pour déconner. Mais merci à vous d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus sérieuse. Allez, à la prochaine!